va super bien, puis toi? Ben ouais, ça va bien. Je présente Pat Tremblay, un skater. Ça fait 11 ans qu'il en fait déjà. Puis il est quand même rendu avec une expansion assez large. C'est quoi qui se passe avec toi dans ta vie, dans le monde du skate, là? Ben, à vrai dire, c'est le skate. Donc, c'est du voyage, des démos, des compétitions comme aujourd'hui. Puis, beaucoup d'amusement. Tes influences, ça fait 11 ans que tu fais du skate? En partant, c'est des amis à ma sœur qui m'ont influencé en enfer. Puis, suite à ça, ben, c'est sûr que c'est devenu une mentalité. C'est le skate, ça reste dans le cœur pour tout le temps. Là. C'est un mode de vie. Tu penses ça? Par rapport à la compétition I'm Getting Paid aujourd'hui, t'es arrivé combien pendant les qualifications d'hier? Sur tous les skaters, je suis très stoked. Je me suis qualifié 6e overall sur à peu près 150. Félicitations, mon ami! Merci. Puis je suis vraiment stoked dans le fond. Je pensais pas que ça allait aussi bien aller. Donc, ça fait du bien d'entendre ça aussi. Là. Est-ce que tu penses que t'as des bonnes chances de remporter un prix ou quoi que ce soit? Ben là, j'ai fait mes runs de semi-finale dans le fond. Moi, personnellement, je trouve que j'aurais pu faire mieux, mais j'ai quand même un bon résultat selon les juges. Fait que je suis quand même fier de ça. Puis là, dans le fond, c'est le dernier heat qui commence, donc on va dans à peu près une heure, on devrait savoir qui est qualifié pour les finales pour le 10 000 $ au gagnant. Là. Tes projets futurs, c'est où que tu comptes t'en aller avec ça? Penses-tu faire une carrière internationale avec ça? À vrai dire, je pense pas vraiment à ça. C'est carpe diem, live a day at a time. Mais ce serait le fun, c'est sûr. Mais pour l'instant, je prévois aller à Barcelone un deux mois, chiller là, m'amuser, voyager, puis avoir du fun. Sinon, aller vivre dans l'Ouest aussi, à Vancouver, vu que c'est là que l'industrie du skate se passe au Canada. Là, mais live a day at a time. Il y a énormément de riders qui se proviennent au Québec. Il y en a qui performent, puis quand ils arrivent dans les compétitions, ben, on les voit peut-être un peu moins. Mais celui d'aujourd'hui, c'est classé 3e. On veut savoir qu'est-ce que ça signifie pour un rider qui se classifie. On le voit aller un peu derrière moi, on va le voir. Jess, prends un break. Là. T'as fini 3e aujourd'hui. C'est quand même une bonne compétition pour toi. Écoute, ça signifie quoi pour un rider qui se classifie dans une compétition comme aujourd'hui? C'est le fun. C'est le fun. Bon, ben c'est ça. On a fini. Non. Ouais, combien de temps t'en fais, toi, du skate? Ça fait 8 ans environ. Puis t'envisages d'en faire éventuellement une carrière? Pour toi, pour l'instant, c'est juste une passion? Ce serait le fun que ça marche dans une carrière aussi, là. Mais en ce moment, c'est juste ça pour le fun. T'as-tu classé des commanditaires à date ou tu travailles encore là-dessus? Ouais, j'ai une couple de commanditaires, là. On parle de qui? Supra, Deathwish, Alphanumeric, Ultimate, Independent, Bones, Brigada. On va passer le restant de la liste sur le côté, là, au montage. Fait que là, avec la compétition aujourd'hui, 3e place, c'est quoi ton prix déjà? Je me suis qualifié 3e. Là, on a fait les semi-finales. Je pense que je suis premier, je sais pas. Puis après ça, il faut faire les finales. Puis après ça, il y a de l'argent en jeu. Là. On va parler du stage un peu ici. Là. Beaucoup de riders, ça a été pendant un petit bout un sujet pour les médias. On voyait de temps en temps l'été les riders qui prenaient les rues à Montréal. Une place comme ici, tu penses-tu que ça va régler ce problème-là? Ou pour toi, rider dans la rue, c'est quelque chose, puis venir rider au Taz, c'est autre chose? C'est pas mal différent parce que ici, c'est fait pour skater. Puis dans les vidéos, tu veux voir des trucs qui sont faits comme une place qui n'est pas nécessairement comme exprès pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme en street, c'est bien plus de fun.
Toi, tu préfères quoi entre les deux? Tu vas-tu être à l'intérieur? Ta mère est-tu plus contente que tu sois à l'intérieur? C'est sûr qu'elle aime mieux que je sois à une place qui est faite pour ça, mais j'aime trop ça, le skate. Pour juste en faire ici. OK, parle-moi, là, en parlant de maman, là, je sais pas pourquoi j'amenais ça de même, là, mais ta plus grosse blessure, ce que t'as vraiment fait capoter ta mère? Je me suis jamais vraiment blessé. Je me suis juste foulé les chevilles, mais bon, c'est normal. Mais cool, parce que là, on va te voir en finale tout à l'heure. Ça va te souhaiter un gros merde, puis écoute, si tu gagnes, on va te rejaser après, on va te donner une minute de plus à l'entrevue. Thanks, man.